Festival Créole. À La Réunion. Aide-moi joli bouquet, mon bon monsieur. À toutes les couleurs, c'est que vive. Tu transpires la rosée, j'en suis madame. L'amour fini, voilà qu'il y a du grand raté. Pour les vrais, c'est des grosses commandes. Dans donc, un compagnie. On nous passe beaucoup. Ben, l'association, c'est bien quoi? On est à 4-5 artisanes tous les jours, du lundi au vendredi. Une fabrique Bertel, sac, tout. Plusieurs produits. On a plusieurs façons de faire. Là, ce que tu fais un sac, c'est une technique. Et après, dans la Bertel, c'est une autre technique. Il y en a les temps. Ma maman l'a fait tant jeune. Et après, ben, maman a commencé à l'âge de 17 ans, vu que maman n'a pas commencé tant petit. Elle a commencé à l'âge de 17 ans. Et après, elle m'a arrêté pendant un certain nombre d'années. Et là, elle m'a repris depuis en 2000. Elle m'a commencé avec l'association de fleurettes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. Et il faut aimer, il faut avoir la patience. Ça fait un bon moment que je suis à l'association des fleurettes et bah, tous les jours je viens pour travailler au taquois. Ça fait depuis ma jeunesse que ma maman elle faisait travailler le taquois. Et là je vais faire un panier et avant tout il faut frotter le taquois. Et avant de le frotter on le met dans un torchon humide qui est là. Et après on le frotte pour tendrir. Et après, bah, on fait comme Josiane, là, on met sous les pieds et on commence à travailler. J'aime bien travailler le vacuum. C'est vrai qu'il y a des jours, c'est fatigant, comme tout travail, mais j'aime bien ça. Et en même temps, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour les fins de mois. Je m'appelle Josiane et je suis bénévole à l'association. Je fais du... j'aide l'association à faire un peu de vacuum parce que j'aime bien ça et c'est une tradition que je veux continuer. J'ai appris avec mes parents et j'aime bien ça, donc c'est ma passion et je fais ça parce que j'aime. Voilà. D'abord, je mets quelques brins sous les pieds, ensuite je lève deux, je laisse deux et je fais un tissage en biais pour monter le bertel. Nous dans notre boutique, on va dire, hein, qui se trouve dans l'enceinte de la maison de la ruralité. Et là, nous trouvons nous dans des antiques de plusieurs mains qui ont fait, on va dire. Hein. Là, par exemple, on a les petits paniers à tresses, c'est que des tresses. Mais ça, c'est Monique qui fabrique ces petits paniers-là. En fait, chacun a plus, on va dire, intimité sur l'antique que lui fait, on va dire. Hein. Et par exemple, les tentes, voilà, c'est les tentes à Josiane, toujours les pots de chèque avec tissu à l'intérieur. Là, on a les bottes de vacuum qui sont prêtes à travailler, on met sur le pantan. Et puis, pareil, on a des objets différents pour le touriste, hein, des petits objets, les petites tentes réunion par exemple, ou les rondes serviettes aussi. Et puis là, c'est un autre système de tissage, on va dire, qu'on utilise un métier. On fait ça sur un métier, c'est pas le même tissage que les cornets. Donc celui-là, on fait assis sur une table. Et sinon, tous les autres antiques sont faits à même le sol, on va dire. Hein. Alors, tous ceux qui sont exposés là en boutique, ce sont les objets que les gens achètent en boutique. Sinon, le plus gros travail, c'est sur commande. Là, nous prenons notre couteau et nous assouplir le vacuum pour pouvoir travailler. J'ai pas mal au dos, rien après là? Si, il garde mal au dos, mais il fait avec. Et après, ben, il repose le soir, et puis il repose, il dort, et le lendemain, le dos est parti. Il a été un vernissage.
Chapeau, c'est du coup. Plus de 30 ans, tout le monde, hein? Oui, c'est madame. Chapeau, c'est du coup. Dans le pays, il a fait chaud. Comment ah, je crois au téléphone là. Chapeau, c'est nous travaillons. Mais nous mangeons aussi. C'est un truc qui mange. Pour là, quitter la ville. Comment on va demander de. Pour venir ici même. Ça, c'est un objet important. Vu que le vacuum est un peu dur. Donc, avant de travailler, il faut assouplir. Et pour assouplir, il faut taper le vacuum. Donc, nous tapons. Et ça nous tape chaud. Nous tapons. Voilà. Et nous tapons 4 à 5 bottes comme ça pour jouer, pour pouvoir travailler. Ouais, fait, hein. Mais nous aimons bien. Hein, nous ne voulons pas la tradition de nos ancêtres et nous vivrons plus que tout au monde quand nous n'est plus là. Mais là, une génération nouvelle, il reprend ce travail-là. Nous pensons que c'est une chose que, coûte que coûte, il faudra arriver à faire comprendre les jeunes. Il faut travailler, il ne faut pas laisser notre porte-parole partir. Pour le festival créole, ne pas aller en l'air avec les créoles. Faites mon joli bouquet, mon bon monsieur, la toute jolie couleur c'est qui veut. Lui transpire la rosée, gentille madame. Voilà qu'il y a le grand matin brûlé. Aide-moi un pot de panier.